Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Timelord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, je vais vous faire des petites chroniques sur plusieurs jeux. Ça peut être des jeux connus, des jeux inconnus, des jeux indés et même des jeux online. Et du rétro gaming, ça peut être vraiment sur tout. Et je vous garantis que tout va y passer. Au début de ma chaîne, j'ai fait un let's play sur Resident Evil 7 que j'ai bien évidemment pas fini. Pour multiples raisons, donc ça me paraît évident de commencer par celui-là. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup, beaucoup à dire sur ce jeu. Alors, on va commencer cette vidéo en rentrant dans le lard directement de Resident Evil 7. Pour moi, il y a un problème, et pas des moindres, c'est le bestiaire. Voilà, regardez, je vous mets des ennemis des Resident Evil, qu'il y a dans tous les Resident Evil, des zombies. Maintenant, je vous mets les ennemis qu'on trouve dans Resident Evil 7. Voilà, non, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Ben, effectivement, dans Resident Evil 7, il n'y a pas de zombies. Il n'y a pas de zombies. Je me demande comment ils se sont démerdés au moment du recrutement. Vraiment, je m'imagine la scène, ça doit être quelque chose de bizarre quand même. Bonjour, c'est ici pour le recrutement pour Resident Evil 7. Oui, c'est bien ici. Excusez-moi, pourquoi on est dans votre cuisine là, exactement? Bah écoutez, je suis un jeune youtubeur et il n'y a pas les moyens. D'accord. Et vous êtes sûr que vous êtes fait pour le rôle de Resident Evil 7? Oui, parfaitement. D'ailleurs, je vous ai même ramené mon magnifique CV, très bien, sur lequel je vais pouvoir vous dire tout ce que j'ai fait. J'ai commencé ma carrière dans Thriller de Michael Jackson. Ensuite de quoi, j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin pour arriver sur Game of Thrones en tant que marcheur blanc. Et j'ai terminé ma carrière récemment sur The Evil Within, mon meilleur rôle. D'accord, je vois que votre CV est impressionnant. Regardons ça un peu plus près. Ah, je vois également que vous avez fait un stage pour Zombies versus Plantes. Plante versus Zombie en tant que docteur Zombos, oui. Incroyable. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un CV impressionnant, mais je suis désolé. Les zombies, c'est old school. Nous, on cherche exclusivement des tas de goudron. Donc voilà pour Resident Evil 7, sorti par Capcom le 24 janvier 2017 sur Play 4, Xbox et PC. Alors, je suis un grand fanat des jeux d'horreur, mais je dois avouer qu'avec les Resident Evil, j'ai eu pas mal de mal. Voilà, il y en a quelques-uns, bien sûr, qui sortent du lot et auxquels je suis vraiment fan. Mais pour moi, il y a eu beaucoup aussi de bourdes. Et puis voilà, rien que le fait de vendre, entre guillemets, la licence pour faire des films complètement nul. Voilà, pour moi déjà, on va dire à l'époque, déjà dès les premiers, je préférais largement Silent Hill pour plusieurs raisons. Alors déjà le plus gros point, franchement l'ambiance, les zombies, voilà les zombies qui sont juste horribles, le gros méchant, pareil, Pyramid Head je le trouve bien mieux, alors les musiques pareil c'est incomparable, la BO de Silent Hill est juste incroyable, et pareil les héros, parce que voilà, les héros de Resident Evil c'est soit des gros bras, soit ils viennent de l'armée, nanani nanana, alors que dans Silent Hill c'est des personnes vulnérables, ça pourrait très bien être vous, comme ça pourrait être moi. Mais tout de suite, retournons sur Resident Evil 5 et on va regarder d'un peu plus près le scénario. Alors, le scénario, voilà, quelque chose d'incroyable qui s'est jamais sorti, que ce soit dans les jeux vidéo ou même les films d'horreur. Il reçoit, après 3 ans, une vidéo de sa femme qui était censée être morte. Donc forcément, comme n'importe quel connard héros de jeux vidéo, il se dit « Bon ben tiens, je vais y aller, je vais pas appeler la police, je vais pas, voilà, ça sert à rien, je suis un warrior ». On y va. Alors après, je veux bien. C'est vrai que quand on regarde cet arrière-train, on se dit que, bon, on comprend un peu pourquoi il va la chercher. Mais au final, pas tant que ça. Voilà. Le mec, il arrive, c'est-à-dire, il arrive, il débute, il descend de sa voiture. Voilà. Le mec, il tombe sur ça. Sur ça, voilà, sur des choses. Il se pose pas plus de questions. Voilà. Là, il pense pas appeler les flics, bien sûr. Il va jouer le héros et y aller. Voilà, ça c'est récurrent dans les jeux d'horreur. On sait que ça se passe comme ça, mais voilà, ce type est complètement con. Alors, bien évidemment, dans cette aventure, il va non pas rencontrer des zombies, mais ces fameux monstres goudron. Voilà, je les appelle comme ça. Je crois que j'ai fait des recherches sur internet, j'ai même pas réussi à trouver comment ils s'appelaient. Donc, ils peuvent faire un peu peur.
vraiment, voilà. Ils mettent un petit coup de pression et tout en début de jeu. Ensuite, dès qu'on tombe sur le fusil, en fait, bah, c'est terminé. Il n'y a plus de difficulté. Resident Evil 7 est déjà un jeu plutôt simple. Il n'y a plus de difficulté. Voilà, vous leur tirez dans la tête, c'est très vite réglé. Et comble du spectacle, là où le jeu devient nettement plus simple, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont buggés. Ah ouais, ils bug. Déjà, le jeu bug pas mal, ce qui est dommage. Et en plus, si vous quittez une salle, ils disparaissent. Donc forcément, on n'a pas la sensation d'être suivi. Et ils sont beaucoup moins impressionnants comme ça. Et puis même, honnêtement, quand on regarde les lieux, ce serait pas le lieu parfait pour mettre des zombies. Enfin, ça rappelle Resident Evil 1. Beaucoup d'éléments sont faits pour rappeler Resident Evil 1. Mais non, voilà, ça reste en fait une frustration. Il y a quelque chose de frustrant dans tout ça. Alors voilà, je vous entends râler, dire Time Lord, Iral, Iral, mais il n'y a pas que des points négatifs. Voilà, on va être clair, il y a des points positifs qui font que ça fait partie des Resident Evil que je préfère. Alors déjà, au moins, il n'y a pas que les monstres goudron, voilà. Il y a la famille Baker qui passe leur temps à nous suivre et franchement, qui arrive plutôt à mettre une bonne pression. Voilà, on va pas se mentir. Ça, c'est clair et net. Le jeu est assez court, mais voilà, assez intense. Les énigmes sont assez intéressantes. Et je parlais d'ambiance pour Silent Hill, mais là, pour le coup, il y a vraiment une ambiance particulière. Voilà, vraiment une ambiance un peu à la Outlast quand on est poursuivi par la famille Baker. Voilà, bon, le côté phase avec les zombies et tout ne sont pas très intéressants. Mais voilà, il y a tout de même des boss mémorables, des scènes mémorables. Voilà, il y a vraiment, vraiment des bons points quand même. Et je pense que tout fan d'horreur qui se respecte doit avoir au moins joué une fois ce Resident Evil 7. Voilà, il est vraiment, vraiment pas très long. Mais c'est une expérience intéressante. Voilà, bon, bien sûr, on remerciera un peu les jeux indépendants. Et on remerciera aussi Silent Hill Pity. Voilà, je suis désolé, hein, mais je suis obligé de parler de Silent Hill. Voilà, on le sent même dans la démo qui est sortie et tout. On sent très clairement qu'il y a eu de l'inspiration. Alors, il existe aussi 3 DLC que j'ai la flemme de citer et qui sont pas forcément plus intéressants que ça, mais qui peuvent un petit peu amener à l'histoire. Surtout le dernier, on retrouve Craig, qui est malheureusement pas très intéressant parce qu'on se retourne un peu plus du côté action comme pouvait l'être le 6 ou le 5. Et donc voilà pour cette première vidéo sur Resident Evil. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment, vraiment passé beaucoup de temps rien qu'à la montée et tout. Je découvre un peu tous les logiciels, tout ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine. Et encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Allez, ciao!